Tag et dans l'immédiat, voici le bonheur dans ses œuvres. Oh, pourquoi t'as pas un sourire éblouissant sur ton visage Ce ne sont pas tes <laughs> affaires, Boule de neige. Je ne veux pas être heureux compris et d'abord je ne vous avais rien demandé. Mais pourquoi tu es tellement méchant avec nous Happy à pitié et ma métier ont fait de leur mieux pour te rendre heureux et toi tu boudes. Pas sympa. Pour me rendre heureux. Je m'en fiche du bonheur. Je veux que vous me laissiez tranquille. Tu te fiches du bonheur je suis désolée, Kikichi. J'ai pas pu mettre un sourire éblouissant sur ton visage. Je ferai mieux la prochaine fois. Tu vas te taire, oui? Quoi? Je ne veux plus jamais que vous vous approchiez de moi. Je ne veux pas que ce soit les autres qui décident si je vais être heureux ou non. Je ne veux pas qu'on me rende heureux de force, c'est compris! Service public. <laughs> Guillaume Hermer. Quatre personnes très heureuses d'être dans ce studio ce matin, plus moi, ça fait cinq personnes heureuses. Je vous les présente. Tout d'abord, notre reporter Thomas Chauvinot. Salut Thomas. Bonjour Guillaume. Serge Fez, le psy du mercredi qui est heureux d'être là, n'est-ce pas Serge bonjour, Enchanté Guillaume, bonjour. <laughs> Marie Andersen, vous êtes également des nôtres, vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous avez publié « Faire le choix du bonheur et l'art de se gâcher la vie » aux éditions XL. Marie Andersen, est-ce que ça signifie que pour être heureux, il suffit de ne plus se gâcher la vie Ah, Guillaume, c'est une bonne question. C'est certainement le premier pas à, à, à accomplir, c'est de se débarrasser de ce qui nous peine dans la vie. Maintenant, c'est très facile à dire, c'est à la fois simple et très compliqué. C'est évident que si c'était simple, on l'aurait déjà fait. On n'a pas besoin de lire un livre pour ça. Donc moi, je m'adresse à cette tranche intermédiaire entre les décisions faciles que tout le monde peut faire tout seul, sans conseil, et les décisions qui sont tellement difficiles parce qu'on a des résistances et des freins qu'il est nécessaire éventuellement d'avoir l'aide d'un professionnel. Entre les deux, le livre peut aider aujourd'hui donc vous publiez ce livre en 2013 à la fois l'art de se gâcher la vie et l'art de ne plus se la gâcher en devenant heureux grâce à faire le choix du bonheur, Marie Andersen. Et justement, le jeune historien qui est en face de vous, Rémi Pavin, bonjour. Vous publiez Rémi Pavin, Histoire du bonheur en France de 1945 à nos jours aux éditions Robert Laffont. Ça signifie que le bonheur a une histoire, une histoire contemporaine. Alors on se souvient d'une vieille phrase de Saint-Just qui disait que le bonheur était une idée neuve en Europe. Le bonheur est-il une idée neuve en France depuis 1945 ont étaient les principales étapes de l'histoire de ce sentiment, puisque ce n'est pas finalement évident de se dire, Rémi Pavin, qu'un sentiment a une histoire. Mais tout à fait, le bonheur a une histoire. Toutes les sociétés n'ont pas pareillement valorisé le bonheur, ni produit les mêmes discours sur le bonheur. On a conservé, par exemple, beaucoup d'images antiques, assez peu de, bonheur, de discours sur le bonheur au Moyen-Âge, au cours duquel le bonheur est remis dans l'au-delà. Il y a à nouveau une floraison de discours politiques et d'images collectives du bonheur au XVIIIe siècle, dont la phrase de Saint-Just, Le bonheur est une idée neuve, finalement témoigne. Et puis, à nouveau, une éclipse au XIXe et un retour du bonheur au XXe siècle. Euh, particulièrement depuis 1945, avec une multiplication des différents chemins du bonheur, et puis une revalorisation de la valeur par rapport à d'autres valeurs, euh, comme par exemple la religion, la puissance et la grandeur. Donc tout ça montre que le bonheur est bien un phénomène historique. Votre livre est un, un travail pionnier, puisqu'on n'avait jamais raconté l'histoire du bonheur en France depuis eh, 1945, à la libération, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'imagine que le bonheur n'était pas forcément la préoccupation. Première, il y avait tout d'abord un, un travail de reconstruction à effectuer sur la France. Quelles ont été les, les principales étapes Est-ce que les Trente Glorieuses, par exemple, ont été une époque où le bonheur était un sentiment clé Rémi Pavin. Alors, d'abord, euh, l'expression 30 glorieuses, comme je le montre dans le livre, je pense qu'elle est à bannir hein, de, de, notre, de notre usage. Euh, on devrait la faire disparaître des manuels, des manuels scolaires. Euh, en termes d'étape et de chronologie, effectivement, en 1945, le bonheur, ce n'est pas la priorité. La, la priorité, hein. priorité c'est la survie. Et puis, euh, plus fondamentalement, d'autres valeurs s'opposent au bonheur euh, et donc mettent un frein à la recherche individuelle du bonheur en France euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Progressivement, ces valeurs euh, perdent de leur influence, sont monétiser et le bonheur va s'imposer dans l'univers des valeurs, c'est ce que, ce que j'appelle la, la conversion au bonheur, le bonheur devient la valeur principale. Et ça, je pense que le moment clé, c'est les années 1960-1970. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que le bonheur devienne à ce point central dans la vie des individus Est-ce qu'on passe d'un projet collectif, les idéologies, la résistance, la guerre, à des projets individuels où le bonheur occupe une place centrale alors déjà, effectivement, dans les, dans les images et les représentations contemporaines du bonheur, l'individuel devient euh, plus important que les visions collectives, encore que certains, certaines perspectives collectives euh, conservent leur importance. Euh, on peut se rendre compte que, par exemple, le nombre d'ouvrages sur le bonheur explose hein, depuis euh, 1945, euh, en témoignent par exemple les larges rayons de développement personnel dans les librairies, euh, l'État même se met à prendre en charge le bonheur, et donc le bonheur est vraiment une idée neuve au moment de 1960, et beaucoup plus qu'à l'époque de Saint-Just, puisque l'État crée par exemple le centre de recherche sur le bien-être, le ministère de la qualité de la vie, on se met à trouver que le PIB, qui est un indicateur récemment inventé, ne fonctionne pas, et on veut lui substituer des indicateurs de bonheur, comme actuellement l'OCDE a mis en place un Better Life Index, dans lequel on va directement poser la question du bonheur. Aux individus. Marie Andersen, vous êtes psychothérapeute, vous rencontrez des gens qui viennent vous voir notamment parce qu'ils ne sont pas heureux. Lorsqu'ils vous expliquent leur situation, qu'est-ce qui d'après vous les sépare le plus du bonheur alors dans ma clientèle, j'ai deux groupes de gens. J'ai les gens qui sont réellement ravagés par la vie, qui ont vécu des drames très traumatisants. Et puis très paradoxalement à côté d'eux, il y a une deuxième moitié qui sont les gens qui tout simplement ont envie d'avoir une qualité de vie plus plus ajustée, plus plus épanouissante et je trouve que c'est réjouissant. C'est évidemment une question luxueuse, c'est une question qui émane d'une société pacifiée, économiquement stable malgré tout ce qu'on peut en dire. Euh, et ce que je vois évoluer, c'est deux choses. D'abord, euh L'âge des gens augmente. J'ai dans ma clientèle des gens qui ont 60 ans, parfois 70 ans. Je trouve ça réjouissant de, de, de constater que ils ont des projets d'amélioration de vie à un âge où nos grand mères se préparaient à la fin, d'une part, et d'autre part, l'augmentation de, des consultations des hommes. Est-ce ah, que c'est réjouissant ou est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de se préoccuper de son bonheur avant Marie Andersen Pour moi, c'est réjouissant, euh, Guillaume Ernest. Parce que tout, tout vous rend heureuse. C'est moi... ça votre méthode. Mais je, sinon... Je fais un métier formidable. Je me lève tous les matins en me disant ⁇ Chouette, je vais travailler ⁇ Et Vous je Pas comme Thomas Chauvino, quoi. Pauvre Thomas. <laughs> non, moi, je ne... on me dit parfois ⁇ Oh là là, comment tu peux vivre en écoutant des gens qui se plaignent toute la journée ?⁇ Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Moi, je n'ai ne... pas en face de moi des gens moroses et plaintifs. J'ai des gens qui combattent, qui réfléchissent, qui s'introspectent. Et de voir arriver des hommes dans la consultation est tout à fait réjouissant. Parce que avant consulter un psy c'était un aveu de faiblesse. Aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt une force, une lucidité, une volonté. Et puis comme vous l'expliquez Hermie Pavin dans votre ouvrage Histoire du bonheur en France de 1945 à nos jours, pendant très longtemps, on a considéré que le bonheur était finalement une question féminine. Tout à fait, le, les ouvrages sur le bonheur sont destinés aux femmes. On a plus d'auteurs femmes qui écrivent des ouvrages sur le bonheur d'auteurs femmes dans la moyenne des livres général et finalement le bonheur compensait une sorte d'exclusion publique. C'était une sorte de dispositif qui permettait d'écarter les femmes de la recherche de la gloire et de la réussite en leur disant soyez heureuses et je pense par exemple au mot de Madame de Staël la gloire est pour les femmes le deuil éclatant du bonheur euh, qui, est, qui est assez net et qui a eu conservé une influence au XXe siècle. Le bonheur, une histoire de femme et de psychanalystes. Serge Eiffes Pas tellement, puisque finalement, Freud n'évoque pas véritablement le bonheur comme étant le but principal de la psychanalyse. Non, enfin le but principal de la psychanalyse, c'est tout de même la guérison, c'est tout de même de pouvoir aimer et travailler. qui la sont la quand guérison, même des, 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 des beaux objectifs. <laughs> Mais euh, effectivement, le bonheur n'est pas un concept psychanalytique au sens où la psychanalyse se penche plutôt sur tout ce qui va venir entraver cette recherche du bonheur, sur la face sombre de l'individu, sur la façon dont les gens sont ficelés par des processus d'aliénation, de répétition, de destructivité. Au fond, euh, l'histoire nous montre tout de même que l'homme a l'air plus doué pour le malheur que pour le bonheur. Sinon, comme vous le disiez, ça se saurait. Et puis depuis la nuit des temps on serait tous épanouis, on ne ferait pas la guerre et on s'aimerait tous les uns les autres. Donc on voit bien à quel point on participe nous-mêmes de l'intérieur par, par des processus très sournois, très inconscients à cette destructivité et à cette aliénation. Et, mais, mais ce que cherche tout de même la, la psychanalyse, c'est justement d'en sortir, c'est de sortir de ces circuits infernaux de la destructivité, du masochisme, de, de l'autodestruction. Sauf quand on est masochiste, ça peut vous rendre heureux d'avoir mal, par exemple, Serge ça, ça, peut, ça peut rendre heureux, mais ça peut être aussi une autre forme de, de l'aliénation. Mais c'est en quoi euh, la psychanalyse, finalement, aujourd'hui, rejoint toutes ces autres approches, et notamment, j'étais très intéressé par le livre de Marie-Andersen, qui reprend tout un tas de, je dirais, de, de, de visions d'une psychologie plus positive, c'est que toute forme de psychothérapie, aujourd'hui, est une forme d'expérience, c'est-à-dire c'est une forme de vivre avec quelqu'un, avec la rencontre singulière avec un, un psychothérapeute, quelque chose qui, dans la relation affective avec lui, permet de sortir de ce circuit de répétition. C'est surtout ce qu'on revit dans le moment de la cure qui compte beaucoup plus que de retrouver une histoire ou trouver des explications intellectuelles à ce qui nous arrive. Autrement dit, Marie Andersen, échapper à la répétition des, des scénarios d'échec, c'est ça le bonheur? Oui oui, c'est ce que j'appelle le scénario de la mouche. Vous voyez la mouche qui essaye de traverser la vitre, poc, elle tombe sur la petite fenêtre et elle recommence plusieurs fois. À la fin de la journée, elle est morte. Énormément de nos contemporains euh, répètent des dizaines de fois les mêmes comportements en espérant. D'ailleurs, ils le disent. Je lui ai déjà dit cent fois, comme si à la cent e fois, ça allait enfin marcher. Donc effectivement, la répétition, le, la, nous sommes programmés pour vivre en pilotage automatique, ça consomme nettement moins d'énergie. La difficulté, c'est de prendre le soc de sa charrue et de le sortir du sillon pour aller labourer ailleurs. Et puisque nous sommes le 13 novembre, un jour porte bonheur. Nous évoquons le bonheur sur France Inter service public en compagnie de notre psy du mercredi Serge Fès de Marie Andersen qui publie Faire le choix du bonheur aux éditions XL et de Rémi Pavin historien qui publie une histoire du bonheur en France de 1945 à nos jours aux éditions Robert Laffont Rémi Pavin on a plutôt l'impression que la France est spécialisée dans le malheur en tout cas c'est devenu un véritable marronnier une ancienne dans les journaux et la presse magazine comment explique-t-on ce thème d'une France qui serait malheureuse C'est vrai que le récit du malheur français remporte un grand succès, on le décline à l'envie. Et ce récit est construit à partir de sondages. Et il est construit à partir de sondages dans lesquels on demande aux, aux sondés si la France va bien, si la situation économique est positive et si l'avenir euh, également, euh, s'ils ont une vision optimiste de l'avenir. Et c'est vrai que les réponses sont assez pessimistes. Euh, mais elles ne sont pas tellement plus pessimistes qu'elles ne l'étaient dans les années 1950, et elles ne sont pas tellement plus pessimistes non plus que ce qu'elles n'étaient dans les années 1980. Alors justement, euh... l'un des intérêts de votre ouvrage, Rémi Pavin, c'est de prendre ces statistiques sur la période longue, donc vous comparez les réponses que les Français ont données à cette question ⁇ êtes-vous heureux ⁇ Qu'est-ce que ça donne au final Est-ce qu'on est vraiment au fond du trou en ce moment Ou est-ce que ça fait longtemps qu'on est dans la grotte Alors ce, ce récit du malheur français, il n'est pas construit à partir des, des sondages euh, êtes -vous heureux, hein « Êtes-vous heureux ?», c'est plus euh, par rapport euh, à un avenir collectif, à une vision sur euh, la collectivité. Et là, effectivement, euh, mise à part pendant une courte période entre 1960 et 1975... Euh, 62-75, euh, les réponses ont été pessimistes. Donc, ça fait 40 ans, effectivement, un peu plus de 48 ans depuis 75, qu'on est dans le malheur français. Mais en revanche, si on s'intéresse aux réponses aux sondages, êtes-vous heureux Alors, il y a différentes manières de poser cette question, soit des questions qualitatives, être très heureux, moyennement heureux, pas heureux, soit une échelle de 0 à 10. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, les sondés français euh, se disent quand même assez largement heureux. Hein, la note moyenne dans les derniers sondages actuellement est de 6,6. Donc 6,6, ça fait un peu plus de 13 sur 20. Je suis aussi enseignant, donc 13 sur 20, c'est finalement la mention assez bien. Ce n'est pas <laughs> catastrophique. Euh, et puis, dans les échelles qualitatives, on a quand même plus de 80% de Français qui se disent heureux, dont 15 ou 20% de très heureux. Donc finalement, on n'est pas si malheureux que ça, contrairement à ce qu'on peut dire. Alors, effectivement, on se dit un petit peu moins heureux. Que nos voisins, par exemple, les Anglais ont 6,8 sur 10, les Allemands 6,7. Enfin, C'est quand même des différences qui sont assez faibles. Euh, on se dit également moins heureux que des petits collinations scandinaves qui se disent le plus heureux dans le monde. Mais il y a quand même une différence, Rémi Pavin, ce qu'il faut l'avouer. En France, se dire heureux, ça fait un peu imbécile. On dit imbécile, heureux, ça n'est pas très à la mode. Tout à fait. Il y a une certaine, malgré la conversion au bonheur, il y a encore une certaine prévention française au bonheur. Et la figure de l'imbécile heureux agit un petit peu comme un repoussoir. Hein, Anatole France disait par exemple La bêtise, c'est l'aptitude au bonheur. Jean Rostand, euh, redoublé avec lui, il n'y a pas de bonheur intelligent. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore cette idée d'une conscience malheureuse de l'intellectuel qui euh, pousse les gens à ne pas se dire aussi heureux euh, que dans d'autres pays. Et Jacqueline nous dit par exemple sur Internet, est-ce que le christianisme ne nous a pas donné aussi un certain goût du malheur Alors ce qui est intéressant dans le travail de Marie Andersen, c'est qu'outre le fait que vous êtes psychologue et psychothérapeute, vous publiez Faire le choix du bonheur, et puis vous êtes Belge. Et alors nos voisins belges, évidemment, posent un, un regard amusé sur ce malheur français, Marie Andersen. Oui, y aurait-il une certaine élégance à se plaindre ce ce que... Je vous laisse la responsabilité de ce regard de Belge, Marie. Euh, J'ai sous les yeux un article qui s'appelle Liberté, égalité, morosité. C'est typiquement français. En tout cas, nous ne nous inscrivons pas en Belgique dans, dans cette euh, question-là de la même manière. Ce qui est caractéristique de, de la mentalité belge, d'abord, c'est que historiquement, avant que le pays n'existe, qui ne date que de 1830, nous étions loin du pouvoir central. Donc, ça a développé dans notre population le sens de la débrouillardise et de ne pas trop se préoccuper de ce que l'État en pense. Et euh, depuis que le pays existe, nous savons, vous savez internationalement que nos institutions sont extrêmement complexes, donc on continue à s'en passer autant qu'on qu qu le peut. Donc c'est la débrouillardise, c'est aussi un certain sens du compromis, puisque nous sommes un pays qui a trois langues nationales, c'est déjà très compliqué. Et puis surtout, et c'est ça la grande, le, le point fort, c'est l'autodérision. Nous avons en Belgique une capacité à prendre du recul sur nous-mêmes et, et à rire de nos petites bêtises et de, de nos erreurs, que nous ne vivons pas avec la même culpabilité, nous n'avons pas le même sens de la faute, nous avons une capacité de nous réjouir de beaucoup de choses. Et vous, vous trouvez que ce n'est pas le cas en France Alors honnêtement, ce n'est pas pour vous flatter, moi je ne le sens pas. Mais ce que j'entends, c'est que quand les Français montent en Belgique, ils disent tous qu'il fait bon vivre, qu'on est gentil, qu'on est paisible, qu'on a un caractère souriant et rond. Euh, mais je, moi, je ne sens pas en France cette morosité, elle ne me fait pas mal. Alors, on a un patient type qui est Thomas Chauvineau, qui, qui est là Marie-Anderson. Oui. Vous voyez, il a, il a mauvaise mine, c'est un Thomas. parisien, il Alors, bonjour, bonjour. Bonjour. Vous Bonjour êtes venu, Olivier, oui. vous êtes levé malgré tout, Thomas, et vous êtes venu avec l'intention de présenter un reportage que vous avez effectué qui vous a fait du bien quand même. Et Thomas. Mais oui, parce que je suis allé voir l'auteur de Trois kifs par jour, ce livre, c'est Florence Servanche-Reber. Elle donne alors aussi des conférences sur le bonheur. Elle anime des ateliers sur le bonheur. Et je l'ai rencontré dans son bureau avec vous savez, des chaises colorées, jaunes, bleues, mauves, des petites lumières. C'est lumière, joyeux tout en, cela. En forme ah, des Thomas, toits, vous voilà. aviez des lunettes de soleil, <laughs> j'imagine. Salle mais... de classe maternelle, le côté enfantin en moins, tu as quelque chose d'assez loin de, de la monotonie. Et là, elle me fait cette révélation. Le bonheur permet de vivre plus longtemps. Et en plus, ce sont des études qui le disent. Il y a des études tout à fait pointues qui ont démontré que savoir éprouver de la gratitude, c'est-à-dire juste de l'émerveillement, moi j'appelle ça des kifs, dans mon vocabulaire ça s'appelle comme ça, il suffit d'en détecter trois dans sa journée pour vivre plus longtemps. Et en meilleure santé. Ça, des études ça, ce sont des études imparables. Le... Imparables. Non seulement ça, mais c'est quantifié. C'est-à-dire que on peut gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Même si on est fumeur. Alors, quand on arrête de fumer, on gagne 6 ans d'espérance de vie, <laughs> donc vous faites les... Et donc ça fait 13 d'un coup, arrêtez, c'est trop... Et bien voilà, ça fait, ça fait 13 d'un coup, euh, simplement, y a, je crois qu'il est plus facile de se concentrer sur notre capacité à éprouver une émotion positive que de se débarrasser d'une addiction. Donc on peut déjà commencer parce qu'il y a de plus facile, mmh. c'est ça qui nous emmène le plus loin en général. Et voilà, 6 ans, voire 13 pour les fumeurs. Alors après, évidemment, le problème, c'est de trouver ce kiff, comme l'appelle Florence Servant schreiber J'ai demandé, mais c'est sous le sabot d'un cheval ou pas Eh bien oui, elle m'a répondu, justement, oui, c'est précisément sous le sabot du cheval qu'on le trouve. Ça consiste simplement, le soir, on commence à s'entraîner le soir, parce que c'est plus facile, la journée s'est écoulée. Et on se dit, aujourd'hui, dans ce qui m'est arrivé, quelles sont les trois situations dans lesquelles je me suis retrouvée, pour lesquelles je me dis, ça franchement c'était bien, et pour ça j'ai envie de dire merci. C'est un regard qu'on échange dans le métro avec quelqu'un, c'est quelque chose que l'on a goûté, c'est la solution à un problème qui est venu se présenter, c'est des toutes petites, toutes petites choses. C'est un de vos enfants qui vous a embrassé le matin. Mais plutôt que de juste se dire, c'est normal, non, c'est pas normal, c'est franchement bien. Je vous pose la question, depuis ce matin, qu'est-ce qui vous a fait du bien j'ai beau chercher depuis que je suis en train de vous parler, je trouve pas. Cherchez un peu plus loin. Prenez le temps de le faire. C'est une toute petite chose. Quand je suis sortie ce matin, euh, il pleuvait donc à torrents. Et au moment où j'ai voulu aller euh, attendre l'autobus, la pluie s'est arrêtée. Merci. C'est juste ça. Forcément, il y en a eu dans votre journée. Alors, nous sommes inégaux face à cette capacité. Mmh. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, ça vient très facilement, ça s'explique pour des, des, des raisons génétiques, plutôt des raisons génétiques d'ailleurs qu'autre chose. Néanmoins, c'est quelque chose qui se muscle. Vous, vous n'avez trouvé aucune raison, Thomas Chauvinot, d'être heureux. Je ne sais pas, on ne vous a pas volé votre scooter, par exemple. Voilà une raison d'être heureux. Non, mais. Moi, quand je suis sortie pour aller à l'autobus, il pleuvait et je me suis pris l'averse. Vous voyez, il y a des gens qui ont ah, parce qu'on vous avait volé votre scooter. Alors, on continue à discuter comme ça avec Florence, Florence Servan-Schreber. À un moment, elle, elle me dit que finalement, euh, son travail consiste à enseigner le bonheur. Elle est donc professeure de bonheur, comme Philippe Roth est professeur de désir. Elle, elle est professeure de bonheur. Vous avez dit professeure de bonheur. Vous vous considérez comme professeure de bonheur Oui, c'est ça mon métier. C'est ça mon métier, parce que euh, vous savez, c'est une matière qui est formidable, le bonheur, parce qu'elle euh, s'adresse à tout le monde. Alors maintenant, c'est une, 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 un, un, un domaine de recherche qui existe depuis 1999, donc oui, c'est assez si récent. C'est pas qu'un gag. Ah non, c'est pas un gag du tout, non, non. Euh, non, non, Alors d'abord, euh, je me suis formée auprès de, de, de Tal Benchar, qui a été le premier professeur qui, a, qui a introduit le, des cours de bonheur à Harvard. Donc euh, en fait, cette science qu'est la psychologie positive s'appelle aussi le, la science du bonheur. Non, non, c'est pas du tout un gag. On mesure la tonicité d'un air vagal qui va permettre de déterminer la longévité d'un individu. Vous voyez, tout ça est très quantifié, c'est intéressant d'ailleurs parce que ce sont des sujets. Qui existe depuis toujours dans une quête philosophique, dans une quête religieuse, dans une quête tout simplement de vie. Mais depuis maintenant quasiment 15 ans, il y a des chercheurs qui essayent de quantifier, de, de regarder ça sous des microscopes. Donc c'est un autre regard, mais qui permet à certaines personnes qui n'entendraient jamais ce genre de conseils de l'écouter et qui n'auraient plus attentive parce que la science affirme un certain nombre de choses. Merci. Merci à vous. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais, je, je... Ma gratitude alors. Et la mienne aussi. Ça n'a voilà. pas l'air d'aller franchement mieux, on Thomas. Dit, on dit merci d'une manière différente maintenant, chaque fois que je dis merci. Euh, le 3 kifs par jour, euh, c'est un livre, mais c'est aussi un site internet, 3 où Vous pouvez retrouver tous les bons conseils et d'autres encore de Florence Servan-Schreiber. Restez avec nous, Thomas, vous allez voir peut-être que ça va aller mieux. Serge Fez. alors évidemment, la psychanalyse considère que eh, le bonheur, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ces 3 kifs par jour. Quel regard posez-vous, soyez franc, sur euh, ces méthodes pour être heureux alors, euh, un regard tout à fait intéressé, parce que trois kifs par jour, c'est pas idiot, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui permet au fond, de s'ancrer dans l'expérience. Et c'est ça qui est le plus important pour le bonheur, c'est d'habiter le moment présent. C'est finalement de rejoindre toutes les philosophies orientales de, de l'expérience du corps, qui est habiter votre corps, soyez dans l'instant présent et vivez ce que vous vivez, la pluie, le soleil, la première gorgée de bière. Ce sont tous ces, premiers, tous ces plaisirs minuscules hein, que chacun cherche à développer aujourd'hui et qui fait qu'on n'est ni dans l'anticipation, ni dans la remémoration, mais qu'on vit à travers son corps, un corps qui exulte d'une certaine façon, ces petits bonheurs minuscules que nous rencontrons au quotidien. Est-ce que ça suffit pour le bonheur Je ne crois pas. C'est une condition. Disons que cet ancrage dans le corps est une condition peut-être pour entrer aussi dans les grandes révoltes, dans les grands projets. Mais c'est vrai que ce point de départ d'être à l'intérieur de soi, Hein, de, de, de pouvoir conjuguer finalement la pensée et le corps permet de retrouver l'aptitude au bonheur, et là je reviens toujours à mon nourrisson merveilleux, et bien qu'ont les petits-enfants dès l'aube de la vie qui est à la fois d'éprouver, de ressentir, de voir et de commencer à fabriquer. Leur pensée, et que c'est bien par la suite que nous apprenons la dimension tragique de l'existence. Marie Andersen, quand même, moi je, je suis français, vous êtes belge, et j'ai l'impression que tous ces discours sur le bonheur, bah, finalement, ils nous apprennent la résignation. Et comme moi je suis hexagonal, eh bien je ne veux pas me laisser aller au bonheur. Est-ce que vous pensez que ça peut être guéri que ça peut soigner... Résister, Guillaume, résister puisque c'est facile, c'est léger de se laisser aller vers le bonheur. Non, D'abord, je voudrais quand même dire une chose, c'est que mon livre n'est pas un livre de Belge qui s'adresse aux Belges. Euh, je, si je, ah, absolument. Mis, voilà, absolument il faut le, le débelgifier dé immédiatement. Voilà, voilà qui est fait. Et si j'y ai mis quelques gouttes de cette belgitude souriante qui fera du bien aux Français, j'en serais tout à fait euh, ravi. Mais euh, votre question, c'est faut-il résister Non, ma question, c'est tout simplement que euh, j'ai l'impression que tous ces discours lénifiants sur le fait d'être heureux, sur le fait de se rappeler ces petits bonheurs que l'on a dans la journée, sont finalement euh, des discours qui nous apprennent la résignation. Quand on écoute euh, euh, les différentes personnes qui, ont, qui sont intervenues, moi je trouve que finalement euh, on peut prendre un raccourci qui est que le bonheur, c'est ce qu'on en pense chacun pour soi. Parce que euh, cette notion a évolué, cette notion est extrêmement singulière et individuelle et finalement c'est le regard qu'on a sur sa propre vie, le niveau de satisfaction qu'on a sur sa propre vie qui est extrêmement variable. Faire quelques pas de plus vers une vie qui correspond à nos idéaux, qui, qui nous met en cohérence avec ce qu'on voudrait et ce qu'on fait réellement. C est, c est...